Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on se laisse. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on se laisse. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, mes frères. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Ça va se directiriser. Mettez-vous en ligne, partagez le direct massivement, partagez-le massivement, partagez-le. Et n'oubliez pas de me donner mes, donnez-moi mes étoiles, c'est très important. N'oubliez pas de me donner mes étoiles. Ah tiens, donnez-moi mes étoiles en quittant ici. Faites preuve de bonne volonté. Aujourd'hui, si tout même c'est un jour de Dieu, hein. Aujourd'hui est dimanche. Donc le fait de me donner des étoiles, hein, vous contribuez aussi. Hein, à faire des dons à Dieu. Vous me voyez, mais ce n'est pas moi-même. Hein? Le fait de faire un geste, c'est comme si vous donnez quelque chose à Dieu. C'est très important. Hein? C'est comme si tu pars à la mosquée ou à l'église et tu donnes quelque chose au pasteur. Ce n'est pas au pasteur que tu as donné. Voilà, c'est à Dieu. C'est au nom de Dieu que tu as donné. Sinon, ce n'est pas parce que le pasteur a un joli visage ou bien l'imam a une, hein, a une bonne mine que tu as donné. Non, tu donnes parce que tout simplement, tu fais un geste de bonne volonté devant Dieu. Voilà, c'est Dieu seul qui peut te juger par rapport à ton geste. Si c'est un geste de bonne volonté et de bonne foi, c'est très important. Et donc, il y a voilà quelqu'un qui vient de me donner 300 étoiles. Oh, Maurice Bayala. Bayala, vraiment, Maurice Bayala, que Dieu vous bénisse encore. Qu'il vous, hein, donne tout le bonheur dont vous désirez obtenir dans votre vie. Voilà. J'espère que d'autres vont suivre. D'autres feront aussi les mêmes gestes que M. Bayala. Voilà. Donc, merci le grand Baya premier. Que Dieu vous bénisse. Alors, suivez mon regard. Donnez les étoiles. Faites pleuvoir les étoiles. Hein, quittez ici. Donc, hier, je vous avais promis de faire un direct sur le cas ukrainien. C'est très important. Et donc, nous voilà. Nous voilà, on va décortiquer ce qui se passe. C'est très, très, très important, mes frères et sœurs. L'incontournable, l'homme dont on parle. Abonnez-vous, partagez le direct. Parce que les informations que vous allez avoir avec moi ne sont pas pareilles par rapport à celles que vous voyez à la télé. Voilà, il faudrait que ça soit clair. Les analyses que nous faisons diffère des analyses que vous avez pour habitude de voir. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est très, 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 très important. Ne soyez pas des colonies morales. Hein? Ne soyez pas des colonies morales. Soyez indépendants moralement. Parce qu'on peut être moralement colonisé. Hein? Enfin, que ça devienne physique, il faudrait que le moral soit atteint. Oh, je suis là, décoloniser les esprits. Oui, parce que les médias mainstream colonisent les esprits et moi, l'incontournable, gay et gay compris, je décolonise les esprits. Et donc, il faudrait que les gens suivent, hein, mon direct pour que leurs esprits soient décolonisés. Ah tiens, décolonisons les esprits ensemble. Ensemble, nous allons nous décoloniser les esprits. Et on ne va plus avoir la même vision que les gens veulent qu'on ait. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais comprendre? L'incontournable. Ah, l'incontournable. Gégé. D'autres, quand ils voient la barbe, ils disent, lui là, c'est un arabe ou quoi? Un arabe noir. Ou bien, c'est un peu le noir. Ou bien, c'est un musulman. Ah tiens, ma barbe me plaît comme ça. Vous voyez ça? Je vais laisser comme ça. Ça va devenir comme ça à Douala. Vous connaissez Babou des talibans là. C'est ce que je vais faire. Et quand je vais mettre ça, ils vont dire, ah, mais c'est un taliban noir. Laissez ça. On avance seulement. Partagez le direct. Donnez les étoiles en quittant ici. Donnez les étoiles. Multipliez les étoiles en quittant ici. Donnez-oh. Yakuba. On est zizi. Donnez, hein, quittez ici. Attia, donnez les étoiles, hein, quittez ici. Partagez le direct, hein, partagez le direct. Ouais, Joël Mazola.
bonjour. Ati anyouli. Ibalemo. On est les bons. N'y a qu'à dans. Nous voilà. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gué, complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, Deso, ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de l'Ukraine. C'est très important. Parce que lorsqu'on parle du pays, on parle de l'Afrique, on se fait des ennemis. Même si c'est vrai, des gens, voilà, par rapport à leur appartenance ethnique ou par rapport à leur appartenance au tricot, hein, de parti politique, ils prennent des positions pas possibles. Et ils pensent qu'en dénonçant certaines choses, on est là, les frustrés, on est là, leur manquer de respect. Et donc, du coup, ils se sentent frustrés, ils sont sur la défensive, et voilà, et ils pensent qu'on les agresse. Donc, ils ont une manière de réagir. Mais lorsqu'on ne parle pas du pays et qu'on parle de d'autres choses qui concernent l'humanité, qui concernent le monde, alors ils se sentent à l'aise. Depuis que je ne parle plus trop du pays, vous voyez, non, ceux qui me suivent, que ça soit Bété, que ça soit Baoulé, que ça soit Djoula, que ça soit Agni, que ça soit Abron, que ça soit, je ne sais pas, qui encore là, tout le monde, hein, tout le monde se retrouve en moi. Tout le monde est content. Personne n'est frustré. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne dénonce pas les leaders politiques de la Côte d'Ivoire. Pour moi, ils sont égaux. Ils sont pareils. Voilà, ils sont tous ivoiriens. Que ce soit PDCI, que ce soit PPACI, que ce soit RADP, que ce soit GPS, que ce soit COGEP, que ce soit qui encore même, UDPCI. Voilà, tout ce qui peut exister. Tout ce qui puisse exister en Côte d'Ivoire, pour moi, ils sont pareils, ils sont tous ivoiriens, leurs militants sont ivoiriens. Donc, du coup, voilà, je les vois ainsi. Pour ne plus frustrer qui que ce soit, je préfère parler de la politique internationale et de la géopolitique, et ainsi que la géostratégie, c'est très important. Donc, je me suis engagé dans ça. Voilà pourquoi, bon, peut-être d'autres, ça ne leur plaisent pas beaucoup, mais ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre. On est toujours habitué à la politique nationale ou africaine. À un moment donné, parlons de la politique du monde. Puisque nous faisons partie du monde, Atia, parlons-en. Donc aujourd'hui, nous allons nous orienter sur le champ de bataille ukrainien. On va encore parler de l'Ukraine. Ils vont dire, mais tout le temps Ukraine, tout le temps Ukraine. Oui, on va parler de l'Ukraine. On va parler de l'Ukraine et l'évolution. Hein? L'évolution de la situation sur le terrain, c'est très important. L'Ukraine ainsi que Kaliningrad. C'est important en fait. Je vais vous dire quelque chose. Commençons sur cette histoire de Kaliningrad. Vous savez pourquoi les Occidentaux font ça? Vous savez pourquoi l'OTAN veut faire intégrer la Suède et la Finlande au sein de l'OTAN? Je vais vous le dire calmement et tranquillement. En fait, Kaliningrad appartenait auparavant à l'Allemagne. Le nom était Königsberg. Et cette enclave appelée Kaliningrad qui appartient maintenant à la Russie, si vous connaissez, vous avez fréquenté le philosophe Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, il est issu de là. Or, Kant, qui dit Kant, dit allemand. D'autres le prennent comme un allemand, d'autres le considèrent comme un philosophe russe. Mais auparavant, avant que cette enclave ne puisse appartenir à la Russie, ça appartenait à l'Allemagne nazie. C'est très important. Et c'est lors de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, la Russie a pris ça. Mais c'est un but de guerre. Attends, quand tu gagnes, tu prends. Quand tu gagnes, là, si tu es le victorieux, tu te sers d'abord et puis le reste, tu dis, bon, vous pouvez prendre l'autre. Donc, lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Russie, l'URSS est rentrée en guerre en 1941. Voilà. Donc, quand l'URSS est rentrée en guerre, elle a conquis cette partie de trucs de l'Allemagne. Et elle a pu envoyer des russophones, c'est-à-dire les gens de Russie qui habitaient en Russie. Bon, ils sont venus habiter là. D'autres, ça leur plaisait de venir habiter dans cette partie de la région, au cœur même des trucs des pays européens. Et les Allemands qui vivaient là, d'autres ont décidé de partir dans leur Allemagne, en tant que pays,
et d'autres ont décidé de rester là. Et donc, la langue, hein, russe, petit à petit, est devenue la langue nationale et tout le monde maintenant parle russe. Tout le monde est russifié dans cette région. Ils ont maintenant la culture russe, ils ont la langue russe, l'éducation russe, et c'est comme ça. Alors, les Occidentaux, ça ne leur plaise pas, surtout l'Amérique. Ça ne plaît pas aux Occidentaux, ça n'a pas encore jusqu'à présent plu aux Allemands et les Américains, c'est-à-dire les Occidentaux veulent prendre cette partie qui appartenait hier à l'Allemagne, qui aujourd'hui appartient maintenant à la Russie. Ils veulent prendre cette partie. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les Occidentaux sont convaincus que la Russie ne pourra jamais attaquer un pays membre de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez même? Je dis bien, les Occidentaux sont convaincus et les Américains sont convaincus que l'Amérique, truc, la Russie ne pourra jamais attaquer un pays membre de l'OTAN. Parce que, soi-disant, il y a un article, l'article 5, qui permet à tous les pays membres de l'OTAN de se soutenir mutuellement au cas où un parmi eux seraient attaqués. Et donc, tous les autres vont se considérer comme si eux aussi, ils avaient été aussi attaqués. Et donc, ils vont apporter leur soutien à ce dernier sur tous les plans pour combattre celui qui a attaqué, hein, l'un de leurs. Alors, en intégrant la Suède dans l'OTAN, en intégrant la Finlande dans l'OTAN, la mer Baltique, parce que cette mer s'appelle la mer Baltique, ils vont vouloir mettre un blocus naval. Parce que si la Suède fait partie de l'OTAN, la Lituanie qui est membre de l'OTAN, l'Estonie qui est membre de l'OTAN, et il y a trois pays, hein, il y a la Lituanie, l'Estonie et il y a un autre pays qui est là. Donc, tous les trois font partie de l'OTAN. Et ces trois-là font frontière avec la Russie et la Biélorussie. De l'autre côté de la mer Baltique, il y a la Finlande. Et il y a la Suède. Et comme la Finlande et la Suède ne font pas partie de l'OTAN, l'OTAN ne peut pas les utiliser à vouloir faire un blocus en naval, hein, envers la Russie pour dire, bon, les navires de l'OTAN décident de ne plus laisser les navires russes passer sur cette mer parce que cette mer appartient aux pays membres de l'OTAN. Et donc, la stratégie américaine et européenne, c'est quoi? C'est d'intégrer la Suède et la Finlande. Ce qui fait que dans les deux côtés, il y a pays membres de l'OTAN et donc la mer Baltique passe au milieu. Est-ce que vous comprenez? Et donc les navires de l'OTAN auront le droit de, hein, de dire cette mer Baltique leur appartient et que ce n'est pas une mer internationale et que c'est une mer des pays riverains qui sont juste à côté. Ce qui permettra aux navires, hein, des pays membres de l'OTAN d'aller là-bas et faire la loi. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent Kaliningrad. Et ce que vous voyez, la Lituanie, qui vient de couper, hein, le chemin de fer pour dire, bon, faut pas, la Russie va envoyer certains matériels en truc à Kaliningrad en passant par le train, c'est-à-dire en utilisant le réseau ferroviaire lituanien depuis la Biélorussie, pour aller à Kaliningrad. Et donc, ils ont mis un blocus. Alors, ce blocus, c'est l'Union européenne qui a donné l'ordre à ce que la Lituanie fasse le blocus. Or, il y a un accord en 2004, un accord international qui reconnaît cela et que la Lituanie n'a pas le droit de mettre blocus. Mais l'UE viole cet accord, viole ses propres principes en demandant à la Lituanie de mettre un blocus naval. Et que la Lituanie fait partie de l'OTAN. Et donc, si la Russie attaque la Lituanie, c'est comme si la Russie a attaqué toute l'Union européenne, ainsi que l'Amérique, le Canada, le Japon, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, eux tous, ils ont le droit de venir soutenir la Lituanie. Voilà pourquoi la Lituanie s'est permis, hein, s'est permis de mettre le blocus. Sinon, si ce sont les Lituaniens, eux seuls, ils pourront jamais rêver, même dans leur rêve, dans leur cauchemar, de mettre un blocus. Mais il y a un problème. Donc, en mettant le blocus, ils veulent encore utiliser la mer Baltique pour mettre aussi un autre blocus. L'objectif, c'est d'affamer la population de Kaliningrad, de Tricode. Oui, Kaliningrad. Et cette population, ils vont pousser la population à se révolter pour se défaire de la Fédération de Russie.
pour leur dire, mais vous pouvez être indépendant, si vous voulez manger, si vous voulez faire ceci, mais écoutez, réclamez votre indépendance, on va vous reconnaître en tant qu'État neutre, ne n'appartenez plus à la Fédération de Russie, ou bien vous pouvez, vous étiez hier, hein, une partie de l'Allemagne, vous pouvez vous associer aux Allemands, l'Union européenne peut vous prendre en charge ceci, cela, parce que eux, ça leur dérange de voir la Russie avoir son enclave là, où il y a des missiles nucléaires, il y a vraiment les armes lourdes russes qui peuvent frapper l'Allemagne, la Pologne, même frapper jusqu'à la France. Et donc, ça dérange les pays membres de l'OTAN. Et ça, c'est leur stratégie. Voilà pourquoi ils se comportent de la sorte. Et donc, leur stratégie aussi, c'est d'empêcher la Russie d'avoir accès à la mer Baltique. Depuis Saint-Pétersbourg, parce qu'il y a, comment on appelle ça, il y a un port à Saint-Pétersbourg qui, hein, qui sort sur la mer Baltique. Et donc, c'est depuis ce port que Kaliningrad est alimenté en nourriture, en matériel et tout ça. Donc, si la Finlande et la Suède rentrent dans l'OTAN, mais les pays membres de l'OTAN vont dire, bon, à partir d'aujourd'hui, les navires russes n'ont plus le droit de passer sur la mer Baltique parce que ça menace, hein, leur passage menace la paix. La paix au sein des pays membres de l'OTAN. Donc, eux, ils ne permettent plus aux navires russes de faire ce qui va leur permettre de mettre un blocus. Ils vont inventer une loi bizarre de la manière la Turquie hein, a un droit de regard sur la mer Noire, c'est-à-dire hein, le Bosphore. La mer Noire, c'est un passage, ça passe hein, sur le territoire turc où la Turquie a le droit de dire tel navire peut rentrer au sein de la mer Noire ou bien tel navire ne peut pas rentrer. C'est cette même vision ils veulent inventer de l'autre côté pour dire non, les navires russes menacent la paix dans ces pays, donc il ne faut pas les navires russes vont passer. En fait, ils cherchent à faire un blocus naval sur la Russie pour empêcher la Russie d'avoir accès à la mer chaude. La mer chaude, c'est-à-dire la mer qui n'est pas congelée. Parce qu'au nord de la Russie, il y a la mer, mais toute cette mer est devenue glace. Je ne sais pas si c'est un truc, l'Antarctique ou bien un truc, voilà, l'Antarctique. Tout est glacé, c'est congelé matin, midi et soir. Donc, pour que les navires russes passent là-bas, il faut des brises glaces. Or, la mer Baltique et la mer Noire qui sont sur la mer Méditerranée, là-bas, là, la mer là n'est pas congelée. Donc, du 1er au 31, les navires peuvent passer dans ces mers sans avoir besoin des brises glaces. Est-ce que vous comprenez? Et le problème des pays membres de l'OTAN, ils ne veulent pas que la Russie ait accès à ces mers. Parce qu'avoir accès à ça, ça menace leur suprématie hein, sur les océans. Ça permet à la Russie d'avoir une capacité de défier les pays membres de l'OTAN à travers ces mers-là. Parce que les sous-marins russes vont passer, les navires russes vont passer. Et donc, ils savent que si la Russie a accès à la mer chaude, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, tout ce que vous pouvez imaginer, si la Russie a accès à ça, ça peut permettre à la Fédération de Russie de déployer ses sous-marins à travers ses mers. Et donc, qui dit sous-marin dit une menace. Parce que ça peut être des sous-marins conventionnels, des sous-marins nucléaires et tout. Donc, on ne peut pas savoir là où le sous-marin se cache. Si tu provoques le sous-marin, il peut être à côté de ton pays, mais dans la mer, hein, sous les côtes. Voilà, et puis te balancer un missile hein, Zircon ou bien un missile hein, au calibre ou bien un missile nucléaire dans ton pays douille, sans que le missile ne décolle au pays, truc en Russie, mais ça peut quitter dans la mer. Donc, c'est une menace pour eux. Pour eux, ils veulent tout faire pour étouffer la Russie. C'est ce qu'ils veulent aussi faire en Asie, contre la Chine, pour éviter que la Chine, parce que la Chine a une très grande flotte, donc ils ont commencé à tisser des alliances pour dire tel pays, nous on ne veut plus laisser la flotte chinoise à traverser ceci, cela. Donc les Américains et les Européens sont en train de tisser des alliances. Ils ont fait alliance avec le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et consorts pour dire les zones où ces pays sont situés, les mers qui sont là-bas, faut pas les navires chinois vont arriver là-bas. Et c'est ce qu'ils veulent faire à la Russie. Comme ça, la mer va leur appartenir. Et donc, tous ceux qui font du commerce maritime, eux, ils auront des droits de douane sur ça. Parce que si tu contrôles les mers, chaque navire qui passe sur la mer, tu peux taxer
Or, ce navire, pour dire, ce navire n'a qu'à payer. Donc, le pays à qui appartient ce navire, ce pays va te dédouaner. Et donc, aussi, il y a un blocus, c'est-à-dire un embargo sur ce pays-là. Ce pays n'a plus le droit de transporter ses marchandises à travers les navires. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils veulent avoir le contrôle des mers, sur toutes les mers, pour affirmer leur suprématie. Et donc, c'est ça qui est la bataille. Voilà pourquoi Kaliningrad est menacée en ce moment. Kaliningrad est menacée en ce moment. Mais cette menace est très sérieuse parce que la Russie voit en ça une déclaration de guerre, des hostilités de l'UE envers la Russie. Et Poutine a dit, d'ici peu, si la Lituanie ne lève pas son truc, comment on appelle ça? Le blocus. La Russie ne prendra pas des décisions politiques. Elle prendra des décisions. Des décisions. Comment? Ils ont appelé ça comment même? Des décisions techniques pour faire respecter le droit de la Russie sur le passage des réseaux ferroviaires de la Lituanie. Et donc, ça inquiète les Occidentaux. Pendant ce temps, c'est eux-mêmes qui ont demandé à la Lituanie, mais ils disent non, Poutine, il bluffe. Et je vais arriver sur quelque chose, vous allez comprendre. Ils disent non, Poutine, il bluffe. Et qu'il ne peut jamais attaquer la Lituanie. Mais Poutine, il est dans une idéologie. Les Européens, eux, ils pensent que ce qu'ils pensent, c'est comme ça que tout le monde pense. Non, 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 ils n'ont qu'à comprendre. Le monde a changé. Le monde a changé. Au début, Poutine ne pouvait pas faire certaines choses parce qu'il n'était pas encore convaincu qu'il avait des alliés forts derrière lui. Maintenant que c'est bien tracé et qu'il sait que la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, tous ces pays sont derrière lui, il est convaincu. Maintenant, il est rassuré et il est sûr maintenant de lui que ces alliés-là, c'est-à-dire s'il y a une guerre entre lui et l'Occident, la Chine ne va pas l'attaquer par derrière. C'est-à-dire vers la Sibérie. La Chine ne va pas profiter pour lancer une offensive pour récupérer des terres. Donc, quand Poutine est rassuré sur ce côté-là, il dit, bon, les Chinois sont mes amis, les Coréens du Nord, ils sont mes amis, au moins s'il y a un affrontement entre moi, entre la Russie et les Occidentaux, les Occidentaux ne font pas passer par derrière pour aller bombarder la Russie de l'autre côté. Parce que la Chine, elle va demander à la Chine de couvrir, hein, le côté truc au sibérien. Elle va demander à la Corée du Nord de couvrir là-bas. Faut pas, ils vont laisser les avions de l'OTAN, hein, agir à l'arrière-cour de la Russie. Et donc, les Occidentaux, ils vont passer par où? Mais c'est côté occidental, ils vont passer. C'est par le côté occidental, ils vont passer. Et donc, la Russie aura, hein, la chance de déployer tous ses systèmes de défense sur le flanc occidental pour contrecarrer les attaques aériennes et des missiles de croisière de l'Occident. Donc, Poutine est rassuré sur ce côté-là. Il sait qu'il a maintenant des alliés et qu'il n'est plus isolé, il n'est pas seul. Alors, maintenant, il passe maintenant à la vitesse supérieure. Donc, il a fait comprendre à la Lituanie d'enlever le blocus. Et que côté ça, là, cela ne le préoccupe pas. Mais dans les jours à venir, une décision sera prise. Si d'ici là, la Lituanie ne lève pas le blocus, ça sera considéré comme une déclaration de guerre. Alors, la Russie prendra des mesures techniques pour forcer le blocus à quitter là. Et que ce ne sont pas des mesures, comment on appelle ça, politiques. Donc, ce qui veut dire, ce sont des mesures militaires. Alors, c'est ce qui a poussé Poutine à vouloir renouveler la flotte de la Biélorussie. Est-ce que vous comprenez la logique de Poutine? Je vais vous expliquer. Donc, Loukachenko, qui s'est déplacé hier pour aller à Saint-Pétersbourg pour voir Poutine, Loukachenko a dit à Poutine que le blocus que la Lituanie a mis sur Kaliningrad est une déclaration de guerre. Donc, c'est le président biélorusse, de la Biélorussie, qui va en Russie pour voir Poutine que non, ah, ce que les gens là, ils font là, c'est qu'ils nous ont déclaré la guerre, c'est une déclaration de guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Loukachenko, il va en Russie, à Saint-Pétersbourg, il fait une réunion avec Poutine, il dit non, le blocus sur Kaliningrad est une déclaration de guerre. Et que j'aimerais que tu renouvelles mes flottes, ma flotte que j'ai, c'est-à-dire mes avions. Il faut les renouveler, c'est-à-dire, voilà, il faut les réparer, il faut changer certaines choses pour permettre à mes avions de pouvoir porter des armes nucléaires. Et j'aimerais que tu envoies des armes nucléaires sur mon territoire.
Est-ce que vous comprenez? Poutine a dit il n'y a pas de souci. La flotte biélorusse sera renouvelée et ils vont modifier cette flotte pour que ça puisse permettre à la flotte de la Biélorussie de pouvoir porter des missiles nucléaires ou des missiles conventionnels à travers des avions. Ok, ça c'est un premier pas. Deuxième pas, il dit ils vont envoyer des systèmes Iskander-M. Donc ce sont des systèmes où les vecteurs, on peut changer les vecteurs, c'est-à-dire la tête. On peut mettre une tête nucléaire ou une tête conventionnelle. Donc quand tu veux frapper un pays, tu décides. Ce que les Russes utilisent en Ukraine, ce sont des têtes conventionnelles. Ils n'ont pas encore mis tête nucléaire. Ce sont des missiles Iskander qui, sur lesquels ils ont mis les têtes conventionnelles pour frapper certains endroits. Mais ils peuvent enlever ces têtes-là pour mettre des têtes nucléaires pour frapper. Tête nucléaire, ça fait assez de dégâts. Et donc, Poutine dit qu'ils vont envoyer ces missiles-là en Biélorussie. Non seulement il va modifier la flotte biélorusse, capable, parce que si cette flotte est vieillissante, la Russie veut modifier la flotte de la Biélorussie, leur donner certains avions capables de frapper la Pologne, capable de frapper les pays frontaliers et se mettre à l'abri au cas où l'OTAN utiliserait des armes nucléaires sur le territoire biélorusse pour que la Biélorussie puisse aussi avoir la force de riposter avec des armes nucléaires. Et donc, Kaliningrad, il y a déjà des armes nucléaires. La Russie va faire de la Biélorussie un état nucléarisé. Est-ce que vous comprenez? Plus la Russie elle-même. Donc, ça permet à la Russie d'avoir... C'est comme si Kaliningrad, qui fait 1 million d'habitants, va être... C'est déjà nucléarisé. C'est un pays où il y a le nucléaire, des missiles nucléaires, pas possible. Va nucléariser la Biélorussie et la Russie. Donc, ça va équilibrer la balance. Pourquoi? Parce qu'en Europe, là-bas, l'Angleterre, la France et les États-Unis d'Amérique, c'est eux qui ont des armes nucléaires. Donc, Poutine veut rééquilibrer la balance en faisant de la Biélorussie un État nucléaire. Et comme Kaliningrad, ça appartient à la Russie, mais comme c'est isolé et c'est loin au sein de l'Union européenne, il a nucléarisé ce pays. Donc, c'est comme si c'était 3 États qui avaient des armes nucléaires. Est-ce que vous comprenez la logique? Et quand Poutine a pour ambition de faire respecter le droit de passage sur la Lituanie qui a mis un blocus, alors avant de faire ça, il veut renforcer la Biélorussie. Il veut, parce que c'est sur le territoire biélorusse qu'il va lancer une offensive sur la Lituanie et une autre sur Kaliningrad pour débloquer cette histoire, pour faire isoler les trois pays baltes, c'est-à-dire la Lituanie, l'Estonie et le truc, comment on appelle ça, il y a un autre pays là, il va faire respecter ce droit de passage. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faudrait que la Biélorussie soit un pays fort, militairement parlant. Et donc, voilà pourquoi il veut renforcer la Biélorussie, pour dissuader les pays membres de l'OTAN de lancer une offensive sur la Biélorussie. Est-ce que vous comprenez? C'est une manière de la dissuader. Donc, en mettant des armes nucléaires, en donnant l'ordre à Loukachenko pour dire tes avions peuvent transporter des missiles nucléaires. Tiens les missiles nucléaires. Tiens les missiles balistiques à courte portée. Mais sur lesquels il y a des têtes nucléaires, si Poutine lance une offensive de l'autre côté, ça va freiner les pays membres de l'OTAN. Ils vont dire... Parce qu'ils ne pourront plus dire qu'ils vont frapper sur le territoire biélorusse. Parce que c'est là-bas l'offensive va quitter. Donc, s'ils frappent sur le territoire biélorusse, c'est comme s'ils attaquaient un pays qui est nucléarisé. Et donc, du coup, ils vont réfléchir à dire, bon, on ne va pas attaquer, on ne va pas riposter militairement sur la Biélorussie. Parce que si la Biélorussie ne dispose pas des armes nucléaires, les pays membres de l'OTAN, ça peut les tenter à frapper le territoire biélorusse. Donc voilà pourquoi Poutine, hier, dans sa réunion, il a dit, bon, je vais vous renforcer, je vais vous donner le nucléaire. Ce qui va empêcher soit l'Angleterre de vous attaquer, la Pologne de vous attaquer, la France de vous attaquer, parce que dans le cas contraire, s'ils vous attaquent, que ce soit des missiles nucléaires, vous êtes capable aussi de riposter à travers des armes nucléaires. Si c'est des missiles conventionnels, vous êtes aussi capable de riposter. Et donc, voilà un peu la logique de Poutine. Donc, c'est une manière de leur faire comprendre que le blocus que la Lituanie a mis là, ce blocus va quitter là. Soit par la force,
ou soit par l'ordre de l'OTAN qui va demander à la Lituanie de lever ce blocus immédiatement pour éviter une confrontation globale et une guerre mondiale. Donc voici un peu ce qui se passe. Voici un peu ce qui se passe. Et beaucoup n'ont pas compris. Les Occidentaux n'ont pas compris. Ils ont dit non, Poutine, il fafaronne. Non, non, non. Il n'est pas là pour fafaronner. Parce que Loukachenko a donné le nombre de missiles nucléaires dont disposent les Américains sur le territoire, c'est-à-dire en dehors des États-Unis. Il a dit, l'Amérique a mis 200 têtes nucléaires. Donc, ce qui veut dire la Biélorussie est renseignée. Ils ont un bon service de renseignement. Leur service de renseignement s'appelle le KGB. Ils n'ont pas changé de nom. Non. Loukachenko, lui, il sait que l'Amérique dispose de 200 têtes nucléaires sur le territoire, en commençant par la Turquie, jusqu'à dans les pays européens. Et il a dit que c'est une menace pour les pays de l'OSCE ou bien quelque chose, ainsi que la sécurité de la Biélorussie et de la Russie. Donc, en retour, lui, il a besoin des armes nucléaires. Mais pourquoi il demande ça? Pourquoi il donne le nombre de trucs, de têtes nucléaires dont disposent les Américains en Europe là-bas? Et lui aussi, il dit non, il a besoin des armes nucléaires pour assurer, pour être en avant-garde, à l'avant-garde en fait. Parce que pour atteindre la Russie, pour frapper la Russie avec des armes nucléaires, il faut soit passer par l'Ukraine, ou soit passer par la Roumanie, ou l'Estonie, ou truc. Mais là-bas, la Russie va renforcer ce flanc-là. Maintenant, si la Biélorussie dispose des armes nucléaires, les Américains, oh, je viens. Voilà. Donc, c'est votre ministre, Madame la ministre. Ça va? Regarde. Salut les tontons. Tu les salues pas? Ah, attends. Donc, voilà pourquoi l'OTAN ne peut pas se permettre de lancer des attaques militaires via l'Estonie ou truc la Lituanie. Parce que si la Biélorussie a des armes nucléaires, ça va dissuader les forces de l'OTAN à mener des opérations de l'autre côté des frontières. Et donc, la Russie veut les contrecarrer, veut empêcher l'OTAN d'agir quand l'heure va arriver à vouloir forcer le passage que la Lituanie a mis pour empêcher l'OTAN d'agir. Parce que lorsqu'ils verront que Poutine ne joue pas et qu'il y a des armes nucléaires qui sont partagées en Biélorussie, Kaliningrad, jusqu'en Russie, ils vont dire, si on déclenche une guerre, vraiment, ça risque de nous dépasser, ça risque de dégénérer. Et les Américains, ils ne sont pas prêts. Ils disent, non, on va défendre chaque périmètre de chaque pays membre de l'OTAN. Mais s'ils voient que la menace est réelle et que Poutine est déterminé à 100% aller jusqu'au bout, vous allez les voir, ils vont reculer. Ils vont reculer. Puisque les Américains, ils ne font que dire, ils n'ont pas envie de rentrer en guerre avec la Russie. Mais comme la Russie aussi vient d'avoir assez à l'Amérique, à l'Amérique latine, c'est-à-dire au Nicaragua, ça va permettre à la Russie d'envoyer ses sous-marins nucléaires, porter des armes nucléaires pour être dans les environs des États-Unis, pour menacer directement les États-Unis sans les missiles balistiques. Donc, les Américains, quand ils vont savoir qu'il y a des navires russes, des sous-marins russes nucléaires qui se baladent vers l'Amérique là-bas, et que la Russie va attaquer de ce côté-là, vous allez les voir. Les Américains ne vont pas bouger. Ils vont dire non, négocier. Ils vont envoyer des gens tout de suite pour dire il faut négocier avant qu'il ne soit trop tard. Et ils vont donner l'ordre à la Lituanie de débloquer la situation le plus tôt possible. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire par rapport à ça. Maintenant, le terrain militaire, c'est un acte politique fort de la part des Européens de dire à partir de maintenant, l'Ukraine est candidate au sein de l'UE. C'est-à-dire, l'Ukraine a appuyé sa candidature et la candidature de l'Ukraine a été acceptée par les pays membres de l'Union européenne. Mais est-ce que cela veut dire que ça va résoudre le problème militaire sur le terrain? Non. Ça ne résolve rien. Rien ne va changer sur le plan militaire.
Et c'est à Poutine de décider quand est-ce qu'il va arrêter. Mais comme Poutine est convaincu, je tiens à vous le dire, il est convaincu que s'il s'arrête dans le Donbass, les pays membres de l'UE et de l'OTAN vont utiliser le reste de l'Ukraine pour menacer la Russie en voulant toujours intégrer le reste de l'Ukraine dans l'UE et en voulant toujours intégrer le reste de l'Ukraine dans l'OTAN pour mettre des missiles nucléaires. Et là, l'Ukraine va encore devenir très méchante et très récalcitrante envers la Russie. Parce que ça sera un pays qui va dépasser même la Pologne dans cette histoire de haine envers les Russes, qui va vouloir en découdre avec les Russes. Et ça, Poutine comprend. Voilà pourquoi M. Douguin, il fait partie de la Douma. Il a dit non, il faudrait que la Russie aille jusqu'à la frontière de la Pologne. Et qu'il tient à informer aux Occidentaux qui pensent qu'ils vont intégrer l'Ukraine dans l'UE, qu'ils considèrent Zelensky comme le dernier président de l'Ukraine. Et que l'État ukrainien n'a jamais existé. Que si ça existe, c'est parce que la Russie a permis à l'Ukraine d'exister. Et donc, Zelensky, que les Occidentaux comprennent qu'il est le dernier président de l'Ukraine. En dehors de lui, l'Ukraine n'aura plus un autre président. Ce qui veut dire qu'ils vont prendre une très grande partie de l'Ukraine. Qu'est-ce que le président biélorusse a dit, Loukachenko? Parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient, disant que la Pologne voulait rentrer en Ukraine pour protéger la partie orientale ukrainienne. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Pologne estime que cette partie appartenait à la Pologne. Mais Loukachenko a menacé que dès que la Pologne rentre en Ukraine, lui aussi il va demander à ses forces de rentrer en Ukraine. Pour prendre aussi une partie de l'Ukraine. Mais c'est comme ça, chacun veut se partager le morceau. Non, il leur a fait comprendre que si vous rentrez là, nous aussi on va rentrer. On va récupérer aussi une partie de l'Ukraine qui appartenait à la Biélorussie. Tant que vous ne rentrez pas, nous on ne rentre pas. Mais dès que vous rentrez, on vous voit rentrer, nous aussi on va lancer une offensive pour libérer certaines villes qui appartenaient à la Biélorussie. Et comme ça, ces villes-là vont être adossées à l'État biélorusse. Donc je pense que Poutine a menacé pour dire si vous rentrez là-bas, je vais vous bombarder. Donc les Polonais ont compris la leçon, ils ont gesticulé, mais les Américains leur ont dit non, ne franchissez pas cette ligne, parce que si vous rentrez là-bas, c'est comme si vous déclarez la guerre à la Russie, et nous ne voulons pas de guerre avec la Russie. Et donc, faites très attention. Vos ambitions qui vous animent, il ne faut pas savoir entraîner les Américains dans une autre guerre que l'Amérique n'est pas prête à faire en ce moment-là. Donc, voilà pourquoi Kiev est visé hier. Il y a eu des frappes aujourd'hui encore, il y a eu des frappes sur Kiev. C'est pour dire aux Ukrainiens qu'on n'a pas oublié Kiev. Ne jubilez pas trop tôt pour dire non, la bataille de Kiev a été gagnée par les Ukrainiens. L'armée ukrainienne a repoussé l'armée russe. C'est du n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils ont chanté trop tôt sur cette histoire de Kharkiv. Je tiens à vous rappeler qu'il y a eu une offensive sur Kharkiv qui se mène en ce moment. Les Occidentaux qui disaient que non, les Ukrainiens pouvaient libérer le Donbass, ils ont libéré Kharkiv, ceci, cela. Le langage a changé. Parce qu'il y a eu une offensive qui est en train d'être menée sur Kharkiv. Donc, la Russie veut récupérer la ville de Kharkiv. C'est la deuxième grande ville de l'Ukraine, après Kiev. Je viens, excusez-moi.
Voilà, donc je suis de retour. Désolé, hein, pour... Désolé, j'espère que vous... Voilà, donc, désolé, excusez-moi. J'étais un peu truc, hein. Voilà. Voilà, donc, nous voilà, nous sommes encore à nouveau là. Nous sommes là à nouveau. Ah, il n'y en a qu'à dedans. On est là, on est là, on est là. Donc, voilà un peu. Donc, c'est pour rappeler aux Occidentaux que les Russes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Vous faites des réunions de la reconstruction de l'Ukraine. Mais de quelle Ukraine ils parlent? Ils font des réunions. Il y a eu une réunion du G7, soi-disant les pays, les sept pays les plus puissants du monde. Et donc, ils vont décider du sort de l'Ukraine. Et demain, il y a eu une réunion de l'OTAN. Comment ils doivent aider les Ukrainiens à se défendre, à libérer leur pays. J'ai l'impression que les pays membres de l'OTAN et les pays occidentaux sont dans un rêve. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, ils sont convaincus que les Ukrainiens vont reprendre l'Ukraine. La partie occupée par la Russie. Ils ne comprennent pas. Ils disent non, la Russie va s'épuiser, la Russie n'aura plus de munitions. Comme si les usines de fabrication des armes en Russie là, ne travaillent pas. C'est comme si les Russes mènent l'opération, mais leurs usines sont fermées. Et que ce sont les usines occidentales seulement qui sont en mesure de fabriquer des munitions. Et que les usines russes de fabrication, les usines russes d'armerie ne sont pas capables de fabriquer des munitions, ne sont pas capables de produire des armes. Et ils sont dans leurs rêves. Regardez, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. La Russie sait qu'elle est dans une opération militaire spéciale en Ukraine. Elle ne peut pas demander à ses usines de ne rien fabriquer. Au contraire, elle va demander aux usines russes qui fabriquent les armes de tourner 24 heures sur 24 heures. De tourner 24 heures sur 24 heures, produire des armes qui montrent leur efficacité sur le terrain. Parce qu'ils ne vont pas produire n'importe quoi. Ils vont produire ce qui fait des preuves remarquables sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé plusieurs armes sur le terrain. Ils voient les armes qui sont performantes, les armes qui font la différence. Ce sont ces armes-là qui vont demander à leurs usines de fabriquer massivement pour les opérations futures. Et même en Russie, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont qu'à étendre l'opération. C'est-à-dire maintenant, ils n'ont qu'à attaquer la Lituanie. Est-ce que vous comprenez? Mais Poutine, lui, il veut faire pas à pas. Il dit non seulement il va armer d'abord la Biélorussie pour être sûr que la Biélorussie soit en mesure de riposter au cas où il y a un pays membre de l'OTAN qui attaquerait la Biélorussie, pour que la Biélorussie soit en mesure de riposter. Et donc, il va bien armer la Biélorussie. Là, au moins, il est convaincu à 100% que Loukachenko et son armée peuvent riposter face à n'importe quelle armée, que ce soit sur le plan nucléaire ou bien le plan conventionnel, sur tous les plans. Là, au moins, s'il il a cette garantie-là, au moins, il peut dire, bon, je veux étendre, hein, l'opération. Et cela ne... Poutine, il peut aller en Syrie pour dire, bon, il met des armes nucléaires là-bas aussi. Parce que les Américains ont des armes nucléaires en Turquie. Donc, pour les menacer directement, il peut aussi déployer des armes nucléaires, des missiles nucléaires capables de frapper le territoire turc. Pour faire comprendre à Erdogan que l'opération, si tu te mêles là, ah tiens, il y a des armes nucléaires dans tes narines, ça ne va pas quitter truc en Russie, hein, mais en Syrie même, c'est là-bas, ça va quitter. Et puis j'aurai l'aide dans les trucs de l'État syrien. Hein? Tous les militaires syriens, je vais leur dire, c'est le moment de libérer votre pays. Allez-y, envahir la Turquie en soutien. Ouais, il y a les armes nucléaires, vous allez frapper. Voilà. Donc, ce qui va permettre à Erdogan de réfléchir mille fois. Donc, cela ne dérange pas Poutine de déployer des armes, au moins 1000 missiles nucléaires en Syrie, pour dire aux Américains que non, ah, vous êtes au Moyen-Orient là-bas, n'oubliez pas que nous possédons des armes nucléaires, des missiles de croisière là-bas, et que nous avons une base navale, une base aérienne, et que depuis là-bas, on peut aussi mener des opérations pour contenir les forces américaines qui sont dans les pays arabes, que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar ou en Turquie, pour les contenir, pour leur dire si vous bougez, on est aussi obligé de trucs comme frapper vos bases. Si vous frappez nos bases, on frappe vos bases, on va déclencher un conflit au Moyen-Orient là-bas, où la Russie aura le soutien du Hezbollah, de l'État syrien, de l'État iranien et même de l'État irakien.
Et donc, ça va, et même les Yéménites vont s'ajouter, et ça va généraliser le truc. Et la Russie est capable de demander aux Israéliens, vous restez tranquille. Vous restez tranquille, puisqu'il y a au moins 3 millions ou 4 millions de Russes en Israël. Ah, mais bien sûr, 3 à 4 millions de Russes, ils sont en Israël. Il va leur dire, mais vous restez tranquille. Dans le cas contraire, on va généraliser, on va donner aussi des armes nucléaires à l'Iran. Et on va équilibrer les choses. Donc, vous restez tranquille. Dans le cas contraire, on déploie des missiles nucléaires en Iran. Et vous, Israéliens, vous allez être menacés. Puisque l'Iran vous menace matin, midi et soir. Mais si vous ne voulez pas rester tranquille et que vous voulez vous ingérer, vous voulez vous mêler de cette situation, on va armer les Iraniens, on va leur donner des armes nucléaires. Et donc, quand ils vont dire ça, les Israéliens vont rester tranquilles. Vous n'avez pas vu un truc en Ukraine, ils voulaient se mêler là-dedans. Le premier ministre israélien, il était agité. Poutine, il leur a fait comprendre que si vous mêlez là-dedans, en Syrie, là, on ne va plus vous laisser bombarder la Syrie. Et on va être très, très hostile envers vous. On sera obligé d'armer le Hezbollah, armer les Syriens, armer les Iraniens. Mais les Israéliens, est-ce qu'ils ont répondu les appels du truc au Zelensky? Ils ont dit non, nous, on n'est pas dedans, on ne veut pas avoir des problèmes avec la Russie. Ah, ils ont compris la leçon. Même les Américains leur ont demandé à envoyer des armes en Ukraine. Ils ont dit non, eux, ils ne veulent pas avoir des problèmes avec Poutine. Donc, ils ont compris. Parce qu'ils comprennent que si ils commencent à devenir belliqueux, ils commencent à être hostiles envers la Russie est capable d'armer les pays qui détestent Israël, qui veulent faire du mal à Israël, leur donner des armes puissantes, des armes performantes, capables de riposter si Israël les frappe. Et ça, l'État israélien ne veut pas ça. Donc, si Poutine les menace comme ça, ils vont rester tranquilles dans leur coin. Ils vont dire, c'est notre seul État que nous avons, c'est un petit État. On ne veut pas que Poutine donne des armes nucléaires à l'Iran ou bien aide les Iraniens à fabriquer des armes nucléaires pour nous menacer directement. Et donc, si c'est ça, vraiment, on va pas, on va rester neutre. C'est entre vous et les Américains et les Occidentaux. Gérez vos problèmes. C'est comme ça. Oui, enfant béni, chaque frappe israélienne sur la Syrie, c'est sous l'ordre de la Russie. Parce que les Israéliens informent les Russes avant d'agir. Il y a un accord entre la Russie et Israël qui dit, l'accord stipule que Israël ne frappe pas la Syrie pour menacer le gouvernement syrien. Ouais, ils ont donné des garanties. Que leur frappe, ce n'est pas dirigé contre le truc Bachar al-Assad, ce n'est pas pour tuer Bachar. Leur frappe, ce n'est pas dirigé contre les militaires russes. Leur frappe, c'est dirigé contre les Iraniens. Et donc, les Russes n'ont qu'à les laisser agir, que c'est entre eux et les Iraniens qui s'affrontent sur le territoire, syrien. Donc, il ne faut pas la Russie va les empêcher. Que c'est une confrontation entre Iran et Israéliens sur le territoire syrien. Donc, l'accord a été signé. Donc, les Russes leur ont dit, bon, comme vous dites que c'est une confrontation entre vous et les Iraniens, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous affronter, mais nous ne voulons pas voir le régime de Damas être menacé par vos frappes. C'est-à-dire, on ne veut pas voir des missiles aux Israéliens qui vont atterrir sur la résidence de Bachar al-Assad. On ne veut pas voir là où Bachar est, ou bien sa garde rapprochée être frappée par les frappes israéliennes. Israël a garanti à la Russie que non, elle peut jamais, elle va jamais faire ça. Et que son but, ce n'est pas de frapper au Bachar al-Assad ou bien tuer Bachar al-Assad. Son but, c'est d'empêcher l'Iran d'envoyer des missiles en Syrie pour menacer Israël. Donc l'accord a été conclu. Donc les Russes leur ont fait comprendre qu'à chaque attaque, si vous voulez attaquer, vous devez nous prévenir pour éviter que vos avions ne soient pris pour cible. Parce que les Russes ont des systèmes de défense aérienne. Et donc à chaque frappe, Israël prévient, appelle l'état-major russe qui se trouve en Syrie pour dire, ah, nous allons mener des attaques dans peu de temps. Et donc, si vous voyez les avions neutres, si vous voyez des frappes, n'agissez pas, ceci, cela. Et donc, chaque frappe sur la Syrie, la Russie est au courant. La Russie voit les avions israéliens frapper. Souvent, puisque, bon, la Syrie aussi a ses défenses anti-aériennes.
mais ce sont des vieilles défenses, c'est-à-dire les défenses de l'Union soviétique. Les S-200, les trucs. Donc, ce sont des vieux missiles que les Turcs ont, c'est-à-dire les Syriens, c'est ce qu'ils utilisent pour se défendre. Même s'ils ont le S-300, mais la Russie n'a pas donné l'ordre à la Syrie d'utiliser ces missiles. Puisqu'il y a un accord entre la Russie et Israël. Pour dire qu'il ne faut pas les missiles russes qui sont nouveaux, les systèmes nouveaux, puissent frapper les avions de Dessal qui interviennent sur le champ de bataille syrien. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un accord. C'est un accord, mais souvent les Israéliens, ils abusent un peu. C'est-à-dire qu'on leur donne l'autorisation, ils font n'importe quoi. Et ça, souvent, ça énerve la Russie pour dire, mais vous agissez comme ça, c'est pas comme ça. Et que vous étiez censé frapper tel endroit, vous frappez de l'autre côté, donnez-nous des explications. Voilà. Vous n'avez pas vu Netanyahou quand il était premier ministre, un, deux, trois, il défilait à Moscou parce qu'à un moment donné, Poutine ne voulait plus donner d'autorisation. Et Netanyahou, il ne voulait pas gâcher cette opportunité parce que pour lui, si la Russie ne donnait plus l'ordre et que Israël forçait les frappes, c'est comme si Israël déclenchait la guerre contre la Russie. Et donc, la Russie allait être obligée de riposter. Et Israël ne voulait pas une confrontation directe entre la Russie et Israël. Donc, Netanyahou, il défilait à Moscou pour aller voir Poutine pour le convaincre. Pour dire, non, c'est pas contre vous, ceci, cela. Nous, c'est contre les Iraniens, on menace pas Bachar, ceci, cela. Voilà. Nous, c'est contre le Hezbollah et les Iraniens. Comme ils sont en Syrie, c'est eux, on frappe. Nous, on ne vous frappe pas, on ne frappe pas truc les forces de Bachar. Donc, voilà ce qui se passe. Et les gens, ils disent, non, il y a des systèmes de défense aérienne russe, ça ne voit pas les missiles israéliens, ils sont incapables d'arrêter les avions israéliens. Non, c'est du n'importe quoi. Les Russes, on les voit, mais ils préviennent les Russes. Allez-y même, écoutez les médias israéliens, eux-mêmes, ils disent qu'à chaque frappe, ils préviennent les Russes pour éviter une confrontation entre la Russie et Israël. Donc, ils préviennent pour dire, ah, on va frapper tel endroit. Et donc, les Russes, souvent, quand ils ont l'information, ils informent leurs collègues syriens pour dire, ah, il aura eu une frappe des Israéliens en tel endroit. Donc, ce qui fait que les Syriens, ils activent leur système de défense. Voilà, ils enlèvent leurs militaires pour ne pas que leurs militaires ne soient tués nombreux. Et voilà, quand Israël lance les attaques, vous voyez, on dit, non, la Syrie a intercepté tel nombre de missiles, ceci, cela. La Russie ne va pas prendre toute l'Ukraine. La Russie va prendre l'Ukraine utile. Parce que les Occidentaux, ils ne pourront jamais accepter un État très pauvre dans leur pays, dans leur union en fait. Or, la mer Noire, Odessa, intéresse trop les Occidentaux. Odessa. Écoutez les médias occidentaux. Ils disent Odessa, il ne faut pas laisser les Russes prendre Odessa. Donc, c'est Odessa. Parce que la mer Noire, ils ne veulent pas abandonner ça dans les mains des Russes. C'est comme la mer Baltique. C'est ce que je vous ai dit au début. La mer Baltique, ils veulent empêcher les Russes d'avoir accès à ça. Maintenant, la mer Noire, là, ils ne veulent pas abandonner ça dans la mer des Russes. Ils veulent aussi fatiguer les Russes sur la mer Noire. Donc, laisser les Russes occuper Odessa, ça va menacer directement les pays membres de l'OTAN. Parce que la Roumanie fait partie de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Donc, si la Russie récupère Odessa, ça veut dire que la Russie va avoir une frontière directe avec la Roumanie. Et si la Russie met des systèmes de défense aérienne qui ont une portée de trucs de longue distance, ça va couvrir une partie du territoire roumain. Et là, les Russes peuvent avoir des informations sur les manœuvres de l'OTAN au sein de la Roumanie. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les Américains, puisqu'ils ne veulent pas que les Russes aient des informations sur certaines armes, ça va les pousser à retirer d'autres armes, c'est-à-dire leur avion F-35. Ils ne vont plus mettre ça en Roumanie. Ils vont dire non. Si les Russes ils mettent des systèmes S-400 ou S-500, et ça couvre une partie de la Roumanie, nos avions F-35, si ça survole, les Russes vont avoir des informations. Et donc, ils vont enlever leurs avions là-bas. Vous ne voyez pas en Turquie? La Turquie a payé truc là.
qu'est-ce que les Américains ils font? Ils sanctionnent la Turquie pour dire non. Eux, ils ne veulent pas envoyer leurs avions F-35 en Turquie parce qu'il y a des systèmes de défense russes qui vont. Je ne sais pas comment on appelle ça. Récolter des trucs, des informations sur les avions. Donc, eux, ils ne veulent pas envoyer leurs avions là-bas. Pour éviter que les Russes aient certaines informations sensibles. Parce qu'il paraît que dans leur système de défense, il y a des logiciels. Les logiciels espions qui sont capables de détecter ou bien lire les différentes trucs, fréquences des trucs des avions américains. Donc voilà. Et donc c'est une menace, ça va être une menace directe envers les pays membres de l'OTAN et ça va pousser les pays membres de l'OTAN à enlever certaines armes vers la partie est du truc des pays membres de l'OTAN. Et ça, les Occidentaux ne veulent pas que la Russie prenne Odessa. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas que la Russie occupe Odessa. Parce que si Odessa est occupée, c'est fini. L'Ukraine ne va plus être un pays stratégique pour les Européens. Pourquoi ils ont fait le coup d'État truc en Ukraine? C'était pour empêcher la Russie d'avoir la main mise sur la Crimée. Empêcher la Russie d'avoir accès à la mer Noire. La Crimée. Donc, ils voulaient utiliser la Crimée pour faire de la Crimée une base navale de l'OTAN. Et donc, ça allait empêcher les Russes d'avoir une base navale dans la mer Noire. Ça a été toujours l'idéologie occidentale, empêcher les Russes d'avoir accès à la mer. Et donc, la Russie a pris Mariupol, a pris Mélitopol, a pris certains ports ukrainiens. Mais les Occidentaux, ils sont déterminés. Ils disent non, ne laissons pas le port de Nikolaïev et le port d'Odessa aux Russes. Il faut tout faire pour les empêcher d'avoir ces deux ports-là. Parce que c'est ça maintenant, là, la bataille. Et qu'ils sont convaincus que tant que ces deux ports existeront, si l'Ukraine rentre dans l'UE, ça va profiter à l'Ukraine. Ça va profiter à l'Union européenne. Ça va profiter à l'OTAN, qui aura la chance d'envoyer ses navires dans la mer Noire, venir titiller les Russes, les fatiguer, les emmerder là-bas, ceci, cela. Donc, Poutine, il comprend l'enjeu. Il sait que les Européens, ils crient, non, l'Ukraine va intégrer. Mais si Poutine réussit à prendre Odessa, vous allez voir, ils vont dire, non, l'Ukraine, eux-mêmes, ils vont commencer à faire campagne contre l'Ukraine. Non, c'est un pays corrompu, c'est un pays qui n'a pas d'argent. Nous, on ne peut pas nourrir l'Ukraine. Donc, non, ils ne peuvent pas rentrer dans le truc dans l'Union européenne parce qu'ils n'auront plus rien. Ils vont avoir quoi encore? Qu'est-ce qu'ils vont proposer aux Occidentaux? Le reste de l'Ukraine, ça sera le chaos. Ça sera truc, la corruption totale. L'anarchie. Et donc, du coup, l'Ukraine ne pourra pas adhérer au sein de l'OTAN. Donc, Poutine il vise deux objectifs. Libérer le Donbass. Et l'opération tend vers sa fin au niveau Donbass. Suite à ça, il va prendre Kharkiv. Il va lancer une opération de grande envergure. C'est-à-dire quand le Donbass va être libre. Va être libéré, il va concentrer des forces sur Kharkiv pour lancer une offensive et libérer Kharkiv parce que Kharkiv est la deuxième grande ville de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? La deuxième grande ville de l'Ukraine. Mariupol était grande, mais après Kiev vient Kharkiv parce que Kharkiv était l'ancienne capitale de l'Ukraine. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est après Kharkiv la capitale est partie à Kiev. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Kiev et Kharkiv sont les deux grandes villes de l'Ukraine. Ce sont des villes qui s'étendent à des milliers de trucs. Et ces villes, il y a beaucoup d'habitants là-bas. Donc, si la Russie prend Kharkiv et lance une opération de grande envergure sur Odessa, et le truc suivant, attaque Kiev, pour prendre Kiev, c'est fini. La Russie n'est pas obligée de prendre toute l'Ukraine. C'est-à-dire, les Occidentaux eux-mêmes, ils vont fuir, ils vont dire non, non, qu'est-ce qui reste? Nous, qu'est-ce qu'on va foutre avec le reste de l'Ukraine, ce pays corrompu et tout? Non, 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 on n'a plus rien à foutre. Et puis, ils vont partir. Parce que ça ne peut plus leur servir à quoi que ce soit. Vous savez, ils ont intégré la Lituanie, l'Estonie et tout ça dans l'OTAN parce qu'ils voient que c'est des pays stratégiques pour empêter la Russie à cause de Kaliningrad et la mer Baltique. Voilà pourquoi ils ont intégré. Eux, ils cherchent des pays qui sont positionnés là où il y a des mers pour embêter parce que l'OTAN, ce n'est pas une force terrestre. Eux,
ils ont constitué leur force de frappe sur la puissance navale. Donc, pour fatiguer un pays qui est aussi grand que le truc comme la Russie ou la Chine, ils cherchent les pays qui ont des débouchés sur la mer et ils tissent des alliances pour empêcher les autres pays d'avoir accès à la mer ou bien les fatiguer sur la mer ou bien mettre des blocus parce qu'ils savent que de nos jours, quand tu contrôles les mers, tu es le patron, tu es le papa. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Ukraine était un pays stratégique à cause de la mer Noire. L'Estonie, la Lituanie et tout ça, ce sont des pays stratégiques à cause de la mer Baltique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ils voulaient aussi la Biélorussie, qui n'a pas de débouché sur la mer. Parce que en prenant la Biélorussie, alors la Russie, c'était fini pour les Russes. En prenant la Biélorussie et l'Ukraine, ça empêchait même la Russie d'avoir accès à Kaliningrad. Et donc, si ils voulaient déstabiliser Kaliningrad, c'est fini. Qu'est-ce que les Russes allaient faire? Les Russes allaient faire quoi? C'est sur la mer qu'ils allaient passer. Mais par la mer, ils allaient vouloir attaquer tous les navires russes qui allaient passer par la mer. Et donc, la Russie n'allait plus avoir la capacité de venir réellement en aide à Kaliningrad. Et les Occidentaux allaient avoir le contrôle total sur Kaliningrad. Mais si Kaliningrad réussissait à se défendre à un bon moment, mais à un moment donné, Kaliningrad allait tomber. Et les Allemands allaient récupérer ça. Et donc, c'était ça leur stratégie. Voilà pourquoi ils voulaient renverser Loukachenko. Mais Poutine a compris ça le plus tôt possible. Il a intervenu pour éviter le renversement du gouvernement de Loukachenko. Et il a renforcé les liens de telle sorte que la Biélorussie et la Russie sont comme un seul pays aujourd'hui. Sont maintenant comme un seul pays. Donc, c'est la Lituanie qui se voit menacée maintenant. Parce que entre Kaliningrad et Minsk, il y a 37 kilomètres. Est-ce que vous comprenez même? Il y a 37 kilomètres, c'est pas loin. Il suffit de lancer une bonne offensive de grande envergure de 2 jours et puis c'est fini. Ils vont percer cette ligne de 37 kilomètres. C'est-à-dire une offensive quitte vers Kaliningrad, l'autre quitte vers la Biélorussie. Et les deux vont sur la même ligne. Est-ce que les Lituaniens ont les moyens de se défendre sur deux fronts en même temps avec des milliers de soldats? Non, ils ne peuvent pas. Donc, du coup, ce sont les Lituaniens qui se sentent menacés. Donc, l'Ukraine était un point stratégique à cause de la mer Noire. Et si la Russie réussit à couper tous les ports, envahir tous les ports de l'Ukraine, prendre les deux grandes villes de l'Ukraine, l'Occident même va rejeter l'Ukraine. L'Occident va rejeter l'Ukraine. Donc, voici la vérité. Voici la vérité. Vous pensez que les Américains ils vont vers truc, Taïwan, c'est pourquoi? C'est parce que Taïwan est un pays stratégique qui est au milieu de la mer. Et donc, pour eux, c'est très vital pour le contrôle de la mer, de la Chine. Donc, en contrôlant Taïwan, ça va leur permettre de contrôler les mers qui sont là-bas. Voilà pourquoi ils sont là-bas, Taïwan, Taïwan. Si Taïwan était un pays enclavé qui n'avait même pas de débouché sur la mer, un pays non stratégique, vous pensez qu'ils allaient s'en occuper? Jamais. Ils n'allaient rien foutre des trucs de Taïwan. Donc, voilà les Américains. Eux, ils cherchent toujours des pays qui sont stratégiques, géographiquement parlant. Et ils fatiguent. Maintenant, si vous réussissez à casser leurs dents, ils fuient. Donc, sur ce, on se laisse. On est ensemble. Ciao. Passez un très bon dimanche. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles. On est ensemble.